Bonjour la maman et sa fille, bonne arrivée de Paris. Merci. Avec de bonnes nouvelles, bien sûr. Bien sûr. Oui, donnez-nous les nouvelles de Paris, le témoignage de Paris. Les nouvelles sont bonnes. Le témoignage est que on a eu des soucis, et pas du tout. Et on a pleuré vers le Dieu du Père Florian. Et il a exaucé notre prière. Il a exaucé vos prières. Mais comment vous avez connu ce Dieu-là, vous êtes à Paris? Moi, ce Dieu-là, c'est par le biais d'une de mes filles spirituelles, parce que je suis céleste. Et j'ai connu une fille dans cette église-là. Et cette fille, elle était venue en vacances. Et quand elle est revenue, elle est rentrée, elle m'a amené le sang de Jésus. Puis ce trois... paquet de révélations divines. Divine, oui. Et puis elle m'a dit, maman, en ce temps, j'allais subir une opération. Elle m'a dit, maman, tiens, il faut faire parce que ton opération, en fait, à l'église, j'ai eu une révélation que ça allait mal se passer. Mais on était dans la prière. Et elle m'a dit, encore, tu m'amènes ça encore parce que tu m'as déjà amené chez quelqu'un d'autre. J'ai eu les pieds enflés et tout. Donc, encore ça, elle me dit, maman, ça marche, c'est pas Florian. Elle dit, c'est quoi encore papa Florian? Laisse-moi avec toujours les mêmes choses là. On va prier. On nous a dit de venir au couvent. Elle me dit, non, tiens, on m'a fait. Et puis j'ai pris. J'ai fait. Avant d'aller à l'hôpital pour subir mon opération, ma fille était là. C'était dur. L'ennemi a programmé que je passais en même temps. Mais arrivé là-bas, ce qui s'est passé, si ce n'était pas le Dieu de papa Frédéric, je passais. Elle était affolée. Tout ce qu'on a pris avant moi était sorti du bloc. J'étais la dernière. Et par la grâce de Dieu, pas vraiment. J'étais sortie aussi. Et je suis rentrée. Et au fur et à mesure, par les prières. Et moi, je me suis dit, c'est que vraiment, ce qu'elle m'a donné là, c'est puissant. Et par la suite, j'ai attendu un peu. Et un jour, j'ai été sur YouTube et encore j'ai revu. Elle me dit, maman, tu regardes? J'ai dit, oui, j'ai vu. Et à travers cela, j'ai dit, bon, j'ai pas encore fait. Et moi, j'ai dit à mon entourage, j'ai dit à tout le monde. Et les gens sont venus ici, ils ont fait, j'ai dit, après moi, j'ai appelé. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes financièrement, dans maladie, partout. J'étais entouré. Entouré de problèmes. Je ne savais pas comment faire. Il n'y avait pas d'issue. Si ce n'était pas la prière, je dis, papa Florian, avec sa puissance, son aide. Et aujourd'hui, il a essuyé mes larmes. Jusqu'à ce que je prenne un billet, que j'arrive ici. Vraiment, il a essuyé mes larmes. Je suis venu pour le remercier. Gloire au Seigneur. Pour le remercier, il est puissant. Puissant. Son nom est puissance. Il est merveilleux. Il est glorieux. C'est le roi des rois. Ouais. Après lui, il n'y a plus aucun Dieu. Il n'y a que lui seul. Je suis venu le remercier. Et aujourd'hui, je suis en joie. En joie. Vraiment en joie. C'est pour lui dire merci. Pour tous ses bienfaits. Très bien fait. C'est votre fille qui est là, hein? Oh oui. Elle aussi, c'est un témoignage, non? Oui, moi je suis venue pour remercier Dieu Papa Florian. Car moi aussi j'ai fait la révélation divine. Oui. Et moi j'avais beaucoup de problèmes au niveau de problèmes de fille, tout ce qui est. Et puis depuis ça, j'ai plus rien du tout. Plus rien du tout. J'ai plus rien. Plus rien. J'ai plus rien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. À merveille. À merveille. Donc tu as suivi ta maman pour venir dire merci. Voilà, j'ai suivi ma maman pour dire merci. Et puis depuis mes 4 ans, je n'ai pas fait le sol de la Côte d'Ivoire. Puis je suis venue, en même temps, on est arrivé vendredi. Samedi matin, on n'a même pas dormi. Et puis même, l'esprit maintenant aussi était là parce que je lui disais, je veux rentrer. Mais Dieu de Papa Florent a tout fait à ce que je puisse assister au culte du samedi. Du samedi. Dormir quand même, rester malgré que j'avais l'envie de partir pour revenir encore ce matin, 5 heures pour être là et puis le voir même. Donc, je suis venue dire merci. Merci au Dieu du Papa Florian. Dieu, Papa Florian. Vous êtes venu à 3, hein? On va prendre l'autre tout à l'heure. Oui. Merci d'être venu. Amen. Et on passe à l'autre. Amen. Julia, Amen. Voilà, vous êtes venu à 3. Maman Christine Modeste de Marseille, qui est venue aussi pour dire merci à Dieu du Papa Florian. Ben, dites-nous comment vous avez connu Papa Florian. Ou bien c'est par entremise de. Oui, en fait, on était parti en Espagne en vacances oui. Et je regardais YouTube. Et j'ai vu, et puis ma tante m'a demandé, mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis, je suis en train de regarder sur YouTube un homme de Dieu, il y en avait deux, et il me dit, non, il faut regarder celui de Papa Florian. Et j'ai regardé, c'est là que j'ai dit, qu'elle m'a donné le numéro. Bon, et puis je vous ai appelé mon fils qui fait du football. Il fait du football? Ouais. Et ça a été très, très, très dur au début. Bon, il était au TFC et ils l'ont viré.
Nice l'a récupéré et le début était très très difficile. Ils étaient prêts à le renvoyer pour juste une petite bêtise, comme il était un peu perturbant aussi. Donc, je vous ai appelé en pleurant, vous m'avez dit bon, de faire le lait pour lui à son nom. Et j'ai fait le lait et depuis, bon, c'est calmé. Et lui-même, là, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, il m'a dit maman, maintenant je suis calme, je suis plus nerveux, donc tout va bien. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, c'est que demain, il faut qu'il signe son contrat. Il signe son contrat. Mmh. Et c'est pour ça que vous êtes venu. C'est pour ça que je suis venu. Pour que papa Florian termine. Voilà, son Dieu est au contrôle. Et mes autres enfants aussi. Parce que j'ai deux garçons qui font du foot. Du foot. Le grand aussi, il a du mal à avoir un club pro. Donc, il faut que le Dieu de papa Florian fasse qu'il lui aussi il trouve son chemin. Et tout ça, le sang de Jésus va régler ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci d'être venu. Merci aussi pour le témoignage. Amen.